Dans ce cours, concernant la cristallographie, on va s'intéresser à l'étude du réseau direct. Parce qu'il y a un autre type de réseau que l'on va traiter la prochaine fois, c'est le réseau réciproque. Donc, commençons par le définir. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un réseau, bien sûr, direct? Par définition, c'est l'espace réel où les atomes d'une structure cristalline sont bien repérés par rapport à une base ABC. C'est ça le réseau direct. Il a une base ABC. C'est un espace réel où sont rangés, posés, repérés les atomes de n'importe quelle structure, qu'elle soit unidimensionnelle, bidimensionnelle ou tridimensionnelle. Voici des exemples. Si j'ai un réseau unidimensionnel, sa base est petit a. En maths, on note petit i. Les croix sont les nœuds. C'est ça, un réseau. C'est un ensemble de plusieurs nœuds. Un nœud, c'est une région où se trouve un atome. Un réseau bidimensionnel ou un réseau plan, il a une base A, B. Voici les nœuds. Ça y est, il se trouve dans un plan. Je dis que j'ai une structure bidimensionnelle ou plane. Un réseau tridimensionnel. Voilà un exemple. Il est de base, il a une base A, B, C, quelconque. Pas forcément orthogonal ou orthonormé. En général, il peut être comme la structure du triclinique ou monoclinique. Ça y est, donc voilà, on peut avoir un réseau unidimensionnel, bidimensionnel ou tridimensionnel. Ce qui est coché sous la forme de croix, ce sont les nœuds. Chaque réseau a une base. A ou bien AB ou bien ABC. Ça y est. Je passe à la deuxième paragraphe. Rangée. On va définir la rangée. Qu'est-ce que c'est que la rangée ou bien une droite nodale? On a toujours deux crochets. UVW, ça c'est le cas le plus général. C'est ça la représentation d'une rangée. UVW s'appelle les indices de M. Miller, les indices de Miller. UVW sont des entiers appartenant à Z et premiers entre E. Il faut connaître ça par cœur. On va illustrer la situation par des exemples. Soit une structure ou un réseau tridimensionnel. Regardez ici. Je choisis le point A de coordonnées 0, 1, 1. Le point B de coordonnées 1, 0, 0. Cherchant la rangée qui joint, qui lie les deux nœuds A et B. Donc si vous comprenez cet exemple, vous n'aurez plus de problème avec la rangée. Cherchant les indices de Miller, de la rangée AB ou la droite nodale AB. La rangée qui passe par les nœuds A et B et voici les indices. On va expliquer ça. 1, 1 bar, 1 bar. 1 bar, ça veut dire moins 1. Ne jamais utiliser des valeurs négatives dans les indices de Miller. Ne jamais utiliser des indices fractionnaires. Comment j'ai trouvé ça? J'ai le nœud A et le nœud B. Et je veux chercher les coordonnées de la rangée AB. Je cherche les coordonnées du vecteur AB, comme en maths. Les vecteurs des coordonnées AB sont 1 moins 0, c'est 1, je pose 1. 0 moins 1, ne pas utiliser moins 1. Je note 1 bar et je pose 1 bar. Le W, le troisième indice de Miller, c'est 0 moins 1. Donc c'est moins 1, je note 1 bar. Voici les indices de Miller. Je continue les exemples. Voilà. La remarque, je viens de le dire maintenant. Si j'ai la rangée d'indices de Miller 2, 4, 6, essayez de la réduire le plus possible. Par exemple, ici, je vais diviser tout par 2.
Voilà, elle est bien réduite, ils sont premiers entre eux. Si j'ai des indices fractionnaires ou négatifs, à éviter. Ici, je multiplie par 2. J'obtiens donc 1. Ici, moins 2, je note 2 barres. Ne pas utiliser le moins. Vous mettez barre. Ça y est. Et voilà ce qu'il faut retenir. Pour ce paragraphe, ne pas écrire des indices négatifs ou fractionnaires. Les indices de Miller d'une rangée ou d'une droite nodale, UVW, doivent être premiers entre eux. Continuons toujours les exemples. Soit la rangée OC, qui passe par O et le point C, c'est dans le schéma. Je cherche les coordonnées du vecteur OC et je trouve ça. Voici les indices de Miller. Voilà. Attaque maintenant. Troisième paragraphe, c'est le plan réticulaire. On va essayer de le définir. Qu'est-ce que c'est qu'un plan réticulaire? C'est tout plan passant par les nœuds d'un réseau, d'une structure cristalline quelconque. C'est ça la définition. Voilà. Donc, tout plan passant par les nœuds d'un réseau, d'une structure cristalline, est déterminé par trois indices. Cette fois-ci, pas UVW, hein, HKL, c'est une notation universelle, appelée toujours les indices de Miller. Donc, pour un plan, on note parenthèse HKL. Pour la rangée, on note crochet UVW. Et voici des exemples. L'exemple 1 du plan réticulaire, soit cette structure. Ça y est, regardez ce plan, le plafond. Il passe par C. Quels sont les indices de ce plan? Donc, je cherche les intersections du plan avec la structure, avec le réseau. Ce plan qui est horizontal, il coupe l'axe Z en 1. Il est parallèle à X, Y. Il est parallèle à la base A, B. Il ne coupe jamais A, c'est-à-dire X. Il ne coupe jamais B, donc il ne coupe jamais ce plan. Donc, je cherche les intersections et je les inverse. Donc ici, il coupe Z en 1. 1 sur 1, c'est 1. Et je note 1. Il ne coupe jamais X, Y. Il les coupe à l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. Et je note 0, 0. Voici les indices de Miller de ce plan, le plafond de la structure. Deuxième exemple. Prenons ce plan. Le triangle. Le plan qui passe par grand A, grand B, grand C. La première des choses à faire, chercher les coordonnées de ces points. Le C, il a 1, il n'a pas de X, il n'a pas de Y. Le point A, il a comme X1, il n'a pas de Z, il n'a pas de Y. Le point B, il a X égale à 0, Y égale 1,5, Z est égal à 0. Et je les inverse et je trouve le plan. 1 sur 1, c'est 1. 1 sur 1,5, c'est 2. 1 sur 1, c'est 1 et je trouve 1. Prenons le plan de la droite, ici, ce plan-là. Il est parallèle à X et à Z. À X et à Z. Il ne le coupe jamais. Je mets 0, 0. C'est-à-dire, il les coupe à l'infini. Et j'inverse. 1 sur l'infini, c'est 0. Ce plan, il coupe l'axe des Y en 1. 1 sur 1, c'est 1. Et voici le plan. Voilà comment on détermine les indices de Miller d'un plan réticulaire. Je cherche l'intersection avec le réseau et j'inverse. C'est une méthode générale. Voilà, le plan du plafond, voici ses coordonnées. Le plan réticulaire vertical qui se trouve à droite, voici ses coordonnées. Et je prends un exemple de soit cette structure cristalline, elle est quelconque. Intéressons-nous au plan assuré, le plan diagonal, à peu près. Pas exactement diagonal, il ressemble à un plan diagonal. Il coupe, il est parallèle à Z, il ne coupe jamais Z. Donc, 1 sur l'infini, c'est 0. Je mets 0. Il coupe l'axe des X en 1. 1 sur 1, c'est 1. Il coupe l'axe des Y en 1,5. 1 sur 1,5, c'est 2. Etc. Maintenant, je m'intéresse à ce plan. Le plan qui passe par le centre de gravité. La moitié. Il est parallèle à X et Y. Il ne coupe jamais. 1 sur l'infini pour X et pour Y, c'est 0. 0, 0. Il coupe l'axe des Z en 1,5. 1 sur 1,5, c'est 2. Et voici les indices de Miller de ce plan. Je vous donne maintenant le cas le plus général. Et je vais illustrer par un exemple
pour achever ce cours. Apprenez ça par cœur. Donc, les indices de Miller d'un plan réticulaire et les coordonnées sont liés par ces relations à mettre en tête. X, c'est A sur H, Y, c'est B sur K, Z, c'est C sur L. Je rappelle que A, B, C sont, ils représentent la base de la structure. H, K, L sont les indices de Miller. X, Y, Z sont les coordonnées des points d'intersection. Ça, d'une part. Ensuite, l'équation générale d'un plan, c'est HX plus KY plus LZ est égal à R. C'est comme en maths. L'équation d'un plan, l'équation cartésienne, bien sûr, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale 0. D ici, c'est le R. Je le fais passer dans l'autre côté. Si ABC sont premiers entre eux, alors X est l'inverse directement de H. C'est ce que je fais tout à l'heure. Sinon, il faut tenir compte de A et faire les calculs. Qu'est-ce que c'est que ce R physiquement parlant? Voilà. Je vais terminer par un exemple. R, il représente le rond du plan. Donc R, ça s'appelle le rond du plan. Qu'est-ce que le rond du plan? On va expliquer dans cet exemple. Suivez avec moi. Voici une structure quelconque. Cristalline A, B, C. Regardez le plan que j'ai assuré. Il coupe A en un demi. Il coupe l'axe des Y en deux tiers. Il coupe l'axe des Z en trois quarts. La question c'est déterminer les indices de Miller HKL du plan assuré A, B, C. Deux méthodes sont envisageables. La première, elle est immédiate, elle est rapide. Je cherche l'intersection et j'inverse. L'intersection avec X, c'est un demi. J'inverse, c'est deux. L'intersection avec Y, c'est deux tiers. J'inverse, je trouve trois demi. L'intersection avec l'axe des Z, c'est trois quarts. J'inverse, c'est quatre tiers. Donc, on inverse les coordonnées. Et tout à l'heure, on a dit qu'il ne faut jamais utiliser des indices fractionnaires. Donc, prenons le dénominateur commun et multiplions les trois paramètres pour avoir des valeurs non fractionnaires. Multiplions par 6. Le 6, c'est le dénominateur commun de ça, de cette fraction et de celle-là. Et j'obtiens ceci. Deuxième méthode, elle est mathématique. J'utilise le plan de tout à l'heure. Sachant que le plan a une équation générale de cette forme, qu'est-ce que je fais? Les trois points A, B, C appartiennent au plan. Donc les coordonnées vérifient ce plan. Si je remplace X, Y, Z pour le point A dans le plan, j'obtiens ça. Le point B, il vérifie le plan, j'obtiens ceci. C, il vérifie le plan, j'obtiens ça. Je tire donc H, K, L. Ça y est. Et je prends le dénominateur commun, ici, c'est 6. Multipliant les trois équations, chacune bien sûr, par 6. Et j'obtiens H égale 12, K égale 9, L égale à 8. Je rappelle, R égale à 6, R égale à 6 ici, et le rond du plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce plan dans notre structure, il a un rond 6. Ça veut dire, c'est le sixième plan réticulaire à partir de l'origine ou de la structure. C'est ça la signification physique du rond. Le rond, c'est la place de ce plan en comptant tous les plans à partir de l'origine O. Voilà pour cette leçon.